Nous allons refermer l'émission pour semaine ça et nous allons refermer avec la participation du président républicain Jovenel Moïse. C'était semaine là et Pelig, côté Turbine qui était en panneau, il remettait en marche et là Pelig qui a fonctionné à plein rendement. N'est-ce pas? Et Jean-Pélic Douéa, dans les conditions réunies pour que c'est salié, pour que quand c'est mégawatt de fournir, c'est lui-même qui fournit après réparation turbine ça. Là, et décision ça, il est inscrit dans quatre démarches pour que 24 sur 24 là tourne en réalité. Jean-président républicain Jovenel Moïse, pas suspendre, souligné. Il était souligné d'ailleurs pendant la cérémonie ça, et qui était faite en présence de plusieurs officiels dans l'État, et était bien tous des membres de la Banque interaméricaine de développement qui d'ailleurs finançait pour projet ça. Bientôt, vous présentez l'ambassade d'Allemagne qui a même tout financé le projet ça. C'est avec l'image Turbine Sayo qui remettait en marche, n'a pas campé pour semaine ça. Merci en pile parce que tu es avec nous. Continuez à suivre la programmation télévision. Hein. Et tout de suite, Farah, pour permettre de nous vivre eh bien, les cérémonies qui ont été faites à Pelig semaine-là, dans l'idée pour permettre Turbine de fonctionner et correctement. Et ça qui fait à partir de cérémonie ça, Pelig qui a fourni quantité mégawatts courant, il doit fournir en bonne et du fond. On a pris l'image et puis nous-mêmes, on a croisé la semaine prochaine. L'objectif, c'est d'avoir une productivité de 47 MW minimum, en moyenne. Qu'est-ce qu'on a réalisé de, en mai 2018, on a eu une moyenne de 28 MW disponible. Et aujourd'hui, pendant cette saison pluvieuse, on a pu atteindre, et déjà aujourd'hui, la centrale est en mesure de produire 54 MW qu'elle était destinée à produire. On a franchi une grande étape. Il reste encore des actions à entreprendre. Notamment, tous les équipements électromécaniques n'ont pas pu être totalement réhabilités. Il faudrait les continuer de manière à avoir une exploitation fiable et sécuritaire de la centrale. Il faut continuer avec l'acquisition des pièces de rechange, effectuer à temps les entretiens programmés et, je dirais, accompagner les techniciens puisque la centrale d'aujourd'hui a une technologie de pointe. Donc, il faudrait accompagner les techniciens à cette nouvelle technologie. Les actions restant à entreprendre.
Ce sont des mesures qui visent à, je dirais, à sécuriser, à viabiliser l'investissement qui a été consenti. Important de remplacer le transformateur T2, puisque aujourd'hui, la centrale que vous voyez ici, il y a deux transformateurs de puissance. Un de 67 MVA qui permet d'écouler toute la puissance produite par la centrale, et une autre de réserve qui malheureusement n'a pas toute la capacité de laisser passer toute la puissance de la centrale. Il est seulement de 34 MVA, on prévoit de trouver le financement nécessaire pour pouvoir changer ce transformateur, de telle sorte que si un transformateur a un problème, toute la puissance disponible de la centrale puisse être transférée à travers l'un des deux transformateurs. Courant 24 sur 24 là, sont réalité, c'est sur route là, c'est pour rêve. Haïti pral bien courant 24 sur 24, caille tout le monde, dans toute entreprise, toute industrie qui est dans le pays, parce que on paye pour le développer. Il faut une route, il faut un courant, il faut une clou. Des grosses décisions, tant coup, décision que le président Wanda a ce point. Pour le mettre l'eau potable dans la ville qui Kigali à partir de rivières que l'on a la Kaili. Et pourtant en Haïti, le peuple qui a fait de là, il fait nous suspendre le rêve. Au peuple qui suspend le rêve, suspend. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons une décision pour nous continuer pour rêver. Pour une fois qu'on est le grand, le beau et le bien, c'est pour vous lier tout. Ce n'est pas fait pour un groupe de monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est droit. C'est pas ici. Les gens qui vivent dans une zone reculée. Les gens qui vivent dans bidonville, dans Port-au-Prince, dans Cap-Haïtien, dans Okaï, dans Gonaïve. Dans Hinch, dans Mibale, c'est droit nous. Pour nous avoir courant, pour nous avoir de l'eau, même pour tout le monde. C'est droit nous. Pour nous une route pour nous la carrière, nous même qui savons être cap gardé là, mon baptiste cap gardé, mon thomasique, mon maïs, c'est droit nous. Pour nous une route pour nous la carrière, mon bouc en carré, c'est droit nous. Pour nous une route pour nous la carrière, je dis, c'est pour le président qui l'a qui campé, qui voulait dire nous parfois ça nous voulait tendre. Mais il dit nous réalité. Mais pour route dans le pays, pour mettre courant dans le pays, pour mettre l'eau dans le bout des mondes, à qui ça veut faire? Je ne sais pas qui ça. Je vais poser une question ça aujourd'hui. Avec l'argent. Côté pour l'argent, côté pour le sortir. Partenaires internationaux là. Nous ne pouvons pas tout le temps c'est eux pour nous mettre couille nous pour nous demander. Côté dignité nous. Côté fierté nous. Je dis à ce que nous apprenons qu'on est courant sans capsule pélig là, c'est pour nous payer. Faut nous payer parce que si nous ne payons pas, entretien pélig là, pas de café. Étrangers, ils ont nous 101 million de dollars pour réhabiliter pélig. Yo ban nous 23 millions de dollars pour réhabiliter l'île qui mène courant sur Port-au-Prince. Ça fait 124 millions de dollars. Mais reste là, c'est pour nous café. Côte dignité nous. C'est pour nous café, pour nous payer courant. Nèg qui n'en prend qu'en belle yo, n'a pas privé sur nous. Nous connaissons EDH, comment se mettre l'équipe sous pied. N'a pas le bon tout ça au besoin en matière d'accompagnement pour la police barou. Pour la justice bon accompagnement depuis nèg comprendre il y a monté sous poteau côté lien l'air pour le bon Dieu notre la capitaine ni descend parce qu'on pays nous pas cap diriger et puis pour n'a pas accepter que peuple là pour nous quitter le peuple salvé moi même moi président peuple là pas de bon pouvoir pour me faire assembler c'est pour ça ni m'pas monter président m'pas venir persécuter monde non quitter en face moi dans élection après 16 mois ou bien 17 mois tout monde a vivre dans pays à très bien mais tout peuple a pas de bon pouvoir pour me quitter le faire salver. C'est pour ça renforcement EDH là. Moi voulais tout le monde qui travaille dans l'électricité d'Haïti au compte ça. Compagnie ça qui sont compagnie publique pour l'état haïtien, c'est renforcer notre proposition. Pour gagner un réseau électrique qui est plus intelligent que dans Caraïbes, c'est rêve nous. Rêve nous pour une centrale qui pas bouler ni gaz ni mazout que EDH possède. Tant que centrale hydroélectrique ça rien là, centrale solaire que l'a bien pour rien, centrale éolienne que l'a bien pour rien. C'est ça nous dit et c'est eux nous pour le faire. Si moun a parlé a faut suspendre rêver. Comment on va faire créer un avenir meilleur pour génération qui va venir. Moi même côté me camper là. Si me pas de bon rêve, c'est pas moi qui pas moi même qui tape là. Je dis à nous tous, nous
nous connaissons l'origine, nous connaissons côté aujourd'hui. Et nous connaissons côté mieux aujourd'hui. Nous connaissons ça veut dire être président de la République. Son rêve, qu'on groupe monde de quoi là-dedans. Quel était maman, papa, famille, mes amis. Son rêve, équipe politique, l'homme candidat de quoi là-dedans. Son rêve, 16 mois après m'a dirigé le pays, à peuple haïtien, quoi là-dedans. Mais rêve ça, personne ne va tuer dans tête nous. Pas d'un président ne va quitter tuer dans tête nous. Pour faire nous croire dans ça négatif seulement. Le regardons faire. Qui vient de la donne, pas jambes d'hiver, vous gardez à moitié vide, c'est pour toujours garder la moitié remplie. Pays aujourd'hui, il y a toute opportunité, toute possibilité la donne. Opportunité aujourd'hui, c'est pour nous prendre.